Bonsoir à tous. Comme chaque dimanche, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne ou à mettre des pouces levés sous les vidéos. Franchement, du fond du cœur, un grand merci à vous qui nous soutenez également selon vos moyens, quand vous le pouvez bien sûr. Pour cela, le lien Tipeee qui s'affiche en description sous cette vidéo. Alors, pour cette émission, j'ai le grand plaisir et le privilège de recevoir un invité que j'affectionne particulièrement, même si je le connais peu. Il a toujours été avec moi d'une gentillesse exemplaire, au-delà d'avoir traversé des épreuves de santé qu'on ne souhaite à personne. Il a été, il y a quelque temps, l'objet d'un déferlement de haine ahurissant. Et je m'étais juré que, passé la bourrasque, je lui demanderais de venir me donner sa version à lui et faire quelques mises au point dans notre chère France où on ne peut presque plus rien dire sans déchaîner les passions. Bref, on reçoit ce soir un vrai bel incorrectible. Si vous rajoutez à cela qu'il évolue au milieu des requins du foot, du journalisme et des médias, je pense que vous aurez vite reconnu le visage qui était peut-être le plus populaire du Canal Football Club, l'émission culte du foot sur la chaîne cryptée. Pierre Ménès, bonsoir. Salut Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Alors à la suite du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » et de ton départ de Canal+, première question que j'ai envie de te poser, comment vas-tu aujourd'hui ? C'est marrant parce que déjà quand j'ai été greffé, toutes les interviews commençaient par « comment vas-tu ? » Là c'est pareil, c'est « comment vas-tu ? » Les gens me regardent avec la tête penchée, c'est un peu comme quand on regarde les cancéreux. Comment tu vas, Pierrot? Ça va? T'es pas trop déprimé? Bon, là, j'ai envie de dire que c'est quand même beaucoup moins grave, mais bon, malgré tout. Bon, c'est grave quand même. C'est grave quand même. Ça va. Ça va mieux depuis que ma plateforme est lancée, depuis maintenant plus de 3 semaines. Bon, donc, le démarrage est bon. C'est beaucoup de boulot, beaucoup de pression, parce que c'est moi qui organise tout, les interviews, les déplacements. Voilà, je passe du. Je passe d'un paquebot à un petit bateau de 6 mètres. Donc voilà, c'est. Mais bon, c'est assez. C'est une aventure assez exaltante. Le démarrage est bon. Donc voilà, tout va bien, quoi. Alors, pardonne-moi de revenir un peu sur cette aventure Canal, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus. D'abord, combien de temps tu étais resté sur Canal ? La télé, dans sa version, on va dire, classique, c'est définitivement fini pour toi ou... Oh non, 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 non. Bah. On va attendre que les derniers soubresauts de cette histoire soient oubliés. Je pense que le fait qu'on me retrouve quand même sur cette plateforme va y aider. Et puis si ça n'y aide pas, ben j'aurai ma plateforme. Et puis voilà, hein. Tu sais, j'ai 58 ans, je vais pas non plus, j'ai pas non plus tiré sur la bête pendant encore 10 ans. Donc non, ça va. C'est un peu étonnant, on t'a vu dans quelques autres médias bien sûr, mais on t'a rien proposé d'autre, j'ai envie de dire, à ta dimension, après cet épisode Canal. Il n'y a pas une autre chaîne qu'on a profité pour se dire, tiens, c'est l'occasion de récupérer Pierre Ménès. Non, je pense que les gens ont peur. Aucune autre chaîne ne t'a contacté. Je pense que les gens ont peur de l'image, peur des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs invraisemblable de voir la peur des réseaux sociaux aujourd'hui dans les médias. Alors, tu as une émission comme Les Grandes Gueules sur RMC qui passent leur temps à dénigrer les réseaux sociaux, mais qui en vivent, puisqu'ils sollicitent l'avis des gens sur Twitter. Donc, voilà, c'est un petit peu cette schizophrénie des médias aujourd'hui qui probablement me désavantage. Alors, il y en a un qui s'est exprimé, il a dit, il sait que j'étais avec lui lorsqu'il était malade, mais il sait aussi que sa manière de se comporter avec les gens et pas seulement les femmes n'était pas en adéquation avec ma manière de faire. Je suppose que tu sais qui a tenu ces propos. C'était en septembre dernier, Hervé Matou, ton ami, j'ai envie de dire ton ancien ami et présentateur du Canal Football Club. Ça t'a blessé, t'as pu en reparler avec lui ? Non, non. Mais bon, le temps fait son office. Ma colère est moins grande. Voilà, je pense que si un jour il lui passe l'envie de m'appeler, je lui répondrai. C'est pas lui faire injure de dire qu'Hervé est quelqu'un d'extrêmement lisse, que je suis tout sauf lisse. Donc je peux admettre et comprendre que certains de mes comportements aient pu le heurter, parce que moi je suis dans la déconne, je suis dans le cash, parfois dans le trash, donc voilà quoi. Mais on m'a embauché à Canal pour ça.
Cyril Linette, quand il m'a embauché, il m'a dit le CFC, on s'emmerde, faut que tu secoues Cocotier. Donc je l'ai secoué. Et c'est pour ça qu'on t'a regardé, je pense, beaucoup. Je pense, oui. Est-ce que tu crois qu'il y a une volonté aujourd'hui dans le journalisme sportif, notamment de la part des femmes, de peut-être vouloir un peu reprendre le pouvoir, entre guillemets ? Ben, ça me paraît évident. Ça me paraît évident. On n'a jamais vu autant de femmes dans le domaine sportif, qui, moi, ne me gêne pas quand elles sont compétentes. Moi, leur boulot, Aline Riera, Vanessa Lemoigne, Charlotte Namura, ça me pose absolument aucun problème. Elles ont totalement leur place et leur légitimité. Voilà, maintenant, s'il faut donner la place à une femme incompétente pour l'enlever à un mec compétent, là, je ne suis pas d'accord. Alors, justement, on va reparler de tous ces sujets, mais tu as parlé un petit peu tout à l'heure de cette plateforme en ligne que tu as lancée fin septembre. Alors, elle s'appelle Pierrot Football Club. Non, Pierrot le Foot. Ah, Pierrot le Foot, tu vois, bah, excuse-moi autant pour moi. On a changé le nom à la demande de Canal. D'accord. Parce qu'ils trouvaient que ça ressemblait trop à... Ils m'ont dit que le mot Canal Football Club était déposé, ce qui me paraît totalement évident, mais enfin... J'aurais pu leur répondre que Pierrot Football Club, ce n'était pas déposé. Mais il pouvait y avoir peut-être une confusion. Ouais, mais c'était même pas mon but. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas cherché à discuter. Hein. Je n'ai pas de sentiment de revanche, je n'ai pas de haine, je ne veux pas faire d'histoire. Moi, j'ai que de la gratitude envers Canal+. Vraiment, ce n'est pas des mots, c'est pas de la fauquetterie, moi. C'est des gens qui se sont... particulièrement bien comporté avec moi. On sent quand même au ton que tu adoptes que tu as été meurtri quand même par cette histoire, toute cette polémique. Bah, j'ai été meurtri par toute l'histoire, j'ai pas été meurtri par Canal+. J'ai dit Canal+, en me licenciant, a donné raison aux réseaux sociaux. Je peux le regretter, je peux ne pas être d'accord, mais bon, c'est comme ça. Mais... quand je fais la balance entre la fin et les 11 ans, pèsent beaucoup plus lourd. Tu as eu la tentation peut-être de tout arrêter à un moment donné ? Non, parce que j'ai pas les moyens. Il faut bien que je bosse, il faut bien que je finisse de payer ma maison. Mais ça va pas parce durer. Parce que tu as toujours été très honnête de ce côté-là, hein, par rapport à l'argent, tu as toujours été très à l'aise. Tu gagnais très très bien ta vie, évidemment. Oui, oui. Enfin, je ne gagnais pas hyper bien ma vie à Canal. Enfin, c'est toujours pareil. Hein. Si on parle à la majorité des Français, évidemment, je gagnais hyper bien ma vie. Peux le redire, ce que tu l'as déjà dit. Hein. C'est pour ça que je me permets de te le redemander. Tu gagnais à peu près... 8 000 par mois. Oui, ce qui n'est pas à première vue... Impôt déduit. Hein. Ouais. Impôt déduit. Ce qui est évidemment beaucoup par rapport à la moyenne des Français. Mais voilà. Par rapport à ce qu'on connaît des salaires ou des producteurs qui disent parfois qu'ils ne gagnent pas beaucoup, mais avec le jeu des producteurs... J'avais des gros contrats publicitaires que j'ai tout perdu. Voilà quoi. Tu es encore en contact avec certains de tes anciens collègues ? Bon, là on ne parle pas d'Hervé Matou de manière générale. Est-ce que tu as notamment été invité, je crois, par Estelle Denis récemment sur RMC ? Non, enfin, Estelle Denis n'était pas avec moi à Canal. Non, mais je veux dire de manière générale, tous les autres journalistes. Oui, il y en a avec qui j'ai des contacts, bien sûr, de Canal, bien sûr. Plutôt des jeunes d'ailleurs, ce qui est un peu pas étonnant, mais voilà. Alors de manière générale, on va bien sûr reparler de ton actualité. Est-ce que tu sens quand même, au-delà du regard qu'on peut avoir sur cette polémique que tu as traversée, qu'il y a eu une sorte d'évolution dans la façon de parler de certains sujets en France, qu'il y a une régression par rapport à la liberté d'expression, par rapport à tout de manière générale. Ouais, enfin, moi, on ne me reproche pas. Eric, non, je sais, c'est pour ça pas, que j'ai... On ne me reproche pas de la liberté d'expression. Ouais, on me reproche des gestes. Non, mais peut-être qu'après, on a reproché aussi peut-être la façon de réagir suite à cette polémique. Justement, tu disais sur les réseaux sociaux, tout le monde t'a quand même un petit peu lynché après t'avoir adulé, alors que justement, je le disais en introduction, tu es quelqu'un vraiment... d'archi sympa, et je ne le dis pas pour te cirer l'éponge, tu ne méritais pas ça, moi je le pense. Il y en a beaucoup qui le pensent. Hein. Faut savoir que depuis 8 mois, il n'y a pas une personne dans la rue qui m'a arrêté pour m'insulter. Pas une. Tous les gens qui m'arrêtent, ils me disent « c'est dégueulasse ce qui vous arrive, vous nous manquez, on vous soutient, quand est-ce que vous revenez ?» Donc voilà, faut
La grande leçon de ça, c'est qu'il y a la vie réelle et il y a les réseaux sociaux. Et que les réseaux sociaux, c'est une cohorte de haineux, de lâches, beaucoup de très jeunes aussi. Tu sais, mon numéro de téléphone circule sur les forums de jeux vidéo, donc je reçois assez régulièrement des appels, masqués ou pas d'ailleurs. Donc quand ils sont pas masqués, je porte plainte immédiatement. Et je suis effaré de la jeunesse des voix que j'entends. J'ai des gamins qui doivent avoir 12 ans, quoi, qui m'appellent pour me dire « t'es un fils de pute ». J'ai dit « bah écoute, je le dirai à ma maman, elle a 84 ans, très contente. Mais... » Et à côté de ça, tu me disais, bon, ça de la part des anonymes, du public, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs, tu as eu des marques de soutien de personnalité dans cette période-là? Public? Ouais, ou en public, tout cas de la part de personnes que public, tu n'attendais pas. Public très peu. Public très peu. C'est d'ailleurs un de mes sujets de désaccord avec Hervé. C'est qu'Hervé, il a compris que je lui reprochais de ne pas m'avoir soutenu publiquement. Je ne lui ai jamais... Tu en as eu qui n'ont pas été publics? Ah oui, plein. Mais qui ne voulaient pas qu'on le... Moi, je leur demandais pas. J'ai pas dit à un, dis-le publiquement. N'importe qui m'aurait soutenu publiquement, il aurait eu tort, il serait fait lyncher à son tour. Tu sais, à un moment donné, je sais plus pourquoi, on a dit que j'étais raciste. Bafé Gomis avait fait un tweet pour dire qu'il me connaissait bien et que j'étais pas raciste. On l'a immédiatement traité de nègre de salon. Donc... Et en parlant, ce qui est hallucinant quand même, ces reproches qu'on t'a fait maintenant, c'était peut-être le prix à payer par rapport à toutes ces années où toi tu l'avais ouvert, tu le vois peut-être comme ça, une revanche de la part de certaines personnes qui t'avaient dans le viseur. Peut-être, moi si tu veux, là, j'ai vu l'autre jour, justement chez Estelle, un sujet sur Richard Berry qui est remonté sur scène. Est-ce que c'est un scandale? Je trouve déjà c'est un scandale en soi de poser la question. Parce qu'en France, la présomption d'innocence, elle n'existe pas. Sa fille a dit qu'il l'avait violée, il l'a violée. On n'attend même pas les résultats de l'enquête, qui n'aura pas lieu, puisque de toute façon, c'est prescrit, donc tout ça, c'est du blabla pour rien. Moi, Marie Portolano a dit que j'avais soulevé sa jupe, j'ai dit que je ne m'en souvenais pas, parce que j'étais trop malade, c'était la dernière émission avant que je disparaisse de l'antenne pendant 7 mois à cause de mes greffes. Il suffit de voir la tête que j'avais ce soir-là, je me souviens de rien. Je me souviens pas que Griezmann était l'invité, je me souviens pas que je suis pas resté au débrief, je me souviens pas que c'est ma femme qui m'a ramené à la maison parce que je pouvais déjà plus conduire. Donc en fait, ça veut dire qu'en plus, j'aurais soulevé la jupe de Marie avec ma femme dans le studio. Donc... Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, je dis que je ne m'en souviens pas. C'est quand même très très différent. Et je dis aussi que j'étais très malade. Je faisais des encéphalopathies à répétition. 18 jours avant cette émission, j'étais dans le coma à cause d'une encéphalopathie. Le coma étant le stade le plus grave de l'encéphalopathie, mais ça va de perte de mémoire, comportement incohérent. Quelques semaines plus tard, Mélissa me ramenait de dialyse. Et je l'ai engueulé parce qu'on ne prenait pas le bon chemin pour rentrer à la maison, alors qu'on prenait évidemment le bon chemin. Donc voilà quoi, mon toubib qui m'a suivi dans ma greffe, il m'a dit « vous avez évidemment fait une encéphalopathie ce soir-là ». Et je regrette que les gens disent « ah ben voilà, des excuses, oh, le pauvre chéri, il ne s'en souvient pas », mais je ne leur souhaite pas de peut-être passer... par là où je suis passé sur le plan médical. Ah, t'as frôlé la mort, hein, tu m'avais... Ah oui, j'ai été greffé à 3 jours de la mort, oui. Ça aurait peut-être arrangé certains d'ailleurs, mais voilà, c'est ça que je regrette et j'aimerais vraiment un jour reparler à Marie de ça. Elle a des reproches à me faire certainement, moi aussi j'ai des reproches à lui faire, notamment de m'avoir... Ouais, tu avais dit que tu la considérais comme ta sœur en quelque sorte, donc ça a dû forcément... Qui? Marie Portolano. Ah non, c'est Estelle que je considère comme ma sœur. Tu n'avais pas dit ça aussi de Marie Portolano? Enfin, tu avais des mots très gentils à son égard. Oui, bah, moi j'ai eu des très très bons souvenirs avec elle. Elle se confiait souvent à moi après les CFC, quand elle trouvait qu'elle ne parlait pas trop, quand elle avait peur de ne pas être reconduite la saison d'après. Moi j'ai toujours été un soutien pour elle. Et ce que je regrette, c'est qu'elle m'a balancé cette histoire de jupe. 5 ans après, en pleine interview, sans même m'avoir prévenu avant, attention, je vais te parler de ça. Comment t'expliques ça? Parce qu'elle a été influencée, peut-être? Pff,
Je sais pas. Manipulé? Non, je pense. Non, je pense pas. Je pense que. Puis ce que je regrette, c'est quand on regarde ce documentaire, la seule personne qui est citée, c'est moi. Et t'as d'autres qui parlent anonymement d'un mec qui les a enfermés dans le bureau, des machins, des trucs. Mais le seul nom qui sort, c'est moi. Donc le seul qui a payé, c'est moi. Et t'as vraiment aucune rancœur à l'égard de personne? Non. T'as cette histoire? Non. Non, c'est une perte de temps. Tes proches, comment ils ont réagi, notamment après la diffusion des images du documentaire? C'était, je crois, Cyril Hanouna. Solidarité absolue, hein, notamment de ma compagne, Mélissa, qui est beaucoup plus remontée que moi. Ben oui, ce qu'on peut comprendre, parce qu'on parle finalement souvent, ouais. Premiers intéressés sont peut-être pas forcément les gens en cause, c'est l'entourage qui se prend. Elle est très remontée, ouais. Contre beaucoup de monde. Et elle te dit quoi? Elle te dit qu'il faut... Toi aussi, tu aurais peut-être des dossiers à balancer sur des gens, non? Peut-être, oui, peut-être, sûrement. Mais je le ferai pas, ça m'intéresse pas. Puis quand tu balances un dossier, c'est ta parole contre l'autre, quoi. Mais bon, je sais que si je balance un truc, on pensera que c'est la vérité, puisque quand tu accuses quelqu'un aujourd'hui en France, tu as forcément raison. C'est ça qui est dommage. Le fait que Cyril Hanouna ait diffusé les images J'ai été à TPMP à la demande de Canal le lendemain de mais la diffusion. Honnêtement, pardon d'insister là-dessus, mais tu penses que tu n'as avec des amis à Canal+, que dans le petit monde de la télé, tu sais bien que c'est un milieu de requins. Il n'y a pas des gens qui se sont dit, tiens, on va se faire Pierre Ménès? Honnêtement, non. Peut-être que c'est toi qui as raison, hein. Peut-être que je suis naïf. Peut-être que tu es un grand naïf, finalement. Peut-être, ouais, mais peut-être pas. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'à l'arrivée, Canal m'a indemnisé. J'ai touché de l'argent pour préjudice moral. Si j'ai touché de l'argent pour préjudice moral, c'est qu'ils t'as admettent... touché beaucoup, ouais. J'ai touché. J'ai une clause de confidentialité, donc je ne dirais pas combien. Moins que ce qui a été annoncé dans les journaux. Mais voilà, si j'ai été indemnisé, c'est que Canal a reconnu que ma responsabilité était... moindre, en tout cas, puisque je peux reconnaître, encore une fois, que mon comportement très cash, très trash, comme je disais souvent, et je le dis toujours, je suis jamais à l'abri d'une sale vanne. Mais bon, voilà, quoi, bon... C'est vrai que ici on est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles, donc on parle de tout, il n'y a vraiment pas une seconde l'envie de faire le procès de quiconque, hein, on est vraiment... Personne, mais je fais le procès de personne, hein. Tu m'as posé les questions. Non, c'est bien pour ça que tu m'as dis, posé les questions sur Hervé, tu m'as posé les questions sur Marie. Moi, j'avais envie d'avoir aussi ta version, parce qu'on ne l'a pas finalement beaucoup eu, hein, depuis toute cette histoire sur la longueur, j'ai envie de dire, sur la durée. Ce qu'on me reproche beaucoup, c'est pas avoir exprimé des regrets. Et j'allais te demander, voilà, si aujourd'hui, voilà, est-ce que tu aurais éventuellement là-dessus peut-être un regret, non pas à exprimer, mais à. Je veux dire, si j'ai soulevé la jupe de Marie, évidemment que je le regrette. D'abord, ça ne me ressemble pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais soulevé la jupe de personne dans ma vie, même pas celle de Mélissa. Si je l'ai fait, bah, moi je dis que je n'étais pas dans mon état normal. Je regrette juste qu'on ne prenne pas ça en compte. Mais si je l'ai fait, évidemment que je le regrette. Et c'est d'ailleurs juste après, elle me dit, est-ce que tu le referais? Et moi, je n'ai pas compris. J'étais tellement... chaos de ce qu'elle venait de m'annoncer, j'ai compris, est-ce que tu le referais au moment où tu l'as fait? J'ai dit, bah oui, si je l'ai fait, je le referais. Donc j'ai pas compris, ça aussi, ça a un peu creusé ma tombe, quoi. Tu penses que tu as peut-être fait les frais aussi du mouvement MeToo et du climat ambiant sur toutes ces questions? C'est évident. Je suis passé, mon cas est arrivé en même temps que Richard Berry, PPDA, Duhamel... Alors que ça n'a rien à voir, rien à voir. Bah oui, puisque moi, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête judiciaire, il n'y a rien. Il n'y a pas de plainte pour viol, il n'y a pas de plainte... Il n'y a pas de plainte pour agression, il n'y a pas de plainte du tout, il n'y a pas une plainte. Et tu as été, selon toi, associé à ces personnalités qui ont fait... Quand je vois qu'on me traite sur les réseaux de violeurs, de pointeurs, oui, je suis forcément assimilé, ouais. Tu penses qu'il y a en France, au-delà de ton cas, un retour d'un certain puritanisme qui ne correspond pas ni à l'esprit Canal que tu représentais avec ton humour, ni à l'esprit français, même si j'osais? Je ne sais pas si je dirais puritanisme, je dirais plus féminisme.
Aujourd'hui, les femmes ont pris le pouvoir d'une certaine manière. Ça ne me pose aucun problème. J'ai travaillé avec des femmes toute ma vie, hein, de Frédéric Gallamet à l'équipe au PSG, Isabelle Moreau déjà à l'équipe TV, et puis Nathalie Yanetta, Astrid Barr, Marie, Laure. J'ai été quand même le premier mec à faire un talk show de foot avec que des filles. Voilà quoi. Et dans le milieu du sport, c'est quand même étonnant, quand je te parlais de personnalité au sens large, il n'y en a aucun, c'est vrai, qui s'est exprimé publiquement pour manifester son soutien. C'est quand même... Non, mais il n'y en a aucun qui s'est exprimé publiquement pour m'attaquer non plus. C'était commode à l'époque. Tu pouvais très bien voguer sur la Vox Populi et dire « Ah ben, je vous ai toujours dit que c'était un gros con. » Personne. Mais des soutiens privés, j'en ai eu plein. Plein. D'hommes politiques ? Oui. D'un ancien président ? Sarko ? Ouais. Est-ce qu'on s'est très proche de lui ? Je n'irai pas jusqu'à très proche. Je dirais que je suis béat devant son charisme. Non. Il a ses. J'allais dire lui aussi, il a ses histoires. Ses soucis. Non, d'autres. Tu veux pas dire qui ? Non. Par respect pour eux, c'est ça, pour pas les... Pour pas leur nuire. Pour pas leur nuire, d'accord. Mais en tout cas, de la part de gens qui... Il y a un homme politique qui m'a dit « Je te soutiendrai bien publiquement, mais mon équipe me l'a fortement déconseillé. » Alors, pour revenir à ce cas, justement, du journalisme sportif qui est, on va dire, de plus en plus féminisé, on pense notamment à l'interview de Didier Deschamps par Nathalie Yanetta et Marie Portolano, ou à la multiplication du nombre de présentatrices et de consultantes. Est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être une volonté politique là-dedans aussi ? Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait de plus en plus... Non, de... je pense qu'on surfe sur une mode. C'est la mode. Les filles sont à la mode. Pourquoi je te demande ça ? Parce que est-ce que finalement on ne te reprocherait pas finalement d'être trop blanc, trop gaulois, trop homme ? Ouais, trop 50, trop quinca aussi. Non, oui, je pense qu'il y a de ça, il y a de ça aussi, oui. Avec le recul, quand tu vois tout ça, tu te dis quand même c'est un immense gâchis quand même, même pour Canal, parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins du Canal Football Club depuis que... Ouais, mais là, tu peux pas dire ça, parce que Canal+, le CFC, en tout cas, n'a plus les images de Ligue 1. Et je pense que le vrai problème pour eux, c'est bien plus de plus avoir les images de Ligue 1 que de plus avoir Pierrot sur le plateau. Même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent plus, parce que j'y suis plus. Alors, tu as lancé, donc, tu nous le disais, fin septembre, donc cette plateforme en ligne, pardon pour avoir écorché le nom tout à l'heure. Tu peux nous la présenter, nous dire de quoi ben, c'était un truc que j'avais proposé à Vivendi il y a 3-4 ans. Là, tu l'as fait avec le groupe ReWorld Media. Voilà, et ils n'avaient pas souhaité. Bon, Canal n'est pas non plus très branché digital. Hein. Canal, le digital, c'est les replays de ses émissions, mais les programmes digitaux, ce n'est pas trop leur truc. Donc je continuais à faire mon blog par écrit et Pierrot face cam le lundi. Donc là, en fait, c'est un média que j'incarne pour l'instant totalement. J'espère que les mois passant et l'attractivité de la plateforme augmentant, je pourrai avoir des gens avec moi. Donc bah, ça va de ce que je faisais à Canal, c'est-à-dire les textes sur les journées de Ligue 1. Autant dire que mes week-ends sont très canapé télé. Hein. Il y a un match le vendredi, deux matchs le samedi et 6 à 7 matchs le dimanche. Donc j'avoue que le dimanche soir à 22h45, quand ça se termine, je suis content d'aller au dodo. Hein. Parce que 4 matchs de suite à la télé, c'est rude. Voilà, donc il y a cette partie-là. Le lundi, j'enregistre ce qui était Pierrot Face Cam, qui s'appelle maintenant Face à Pierrot, où les gens me posent des questions et puis j'y réponds face à la caméra. Le mardi ou le mercredi, je pars en déplacement faire des interviews dans les clubs avec ou le président ou l'entraîneur et deux joueurs. Et puis... Puis des people aussi, des gens hors foot.
voilà, il y a des pronos, il y a, on va faire des podcasts bientôt. Voilà, on essaye de faire un peu tout, quoi. Cette passion pour le foot, elle est toujours intacte chez toi. Il n'y a rien qui a pu. Si, pendant ma mise à l'écart, j'ai décroché. J'ai vraiment décroché. L'Euro, j'ai vraiment décroché. Bon, les Bleus m'ont aidé à décrocher aussi, hein, c'était pour Jojo. Mais ouais, j'avais l'impression que regarder du foot, ça me... Et surtout de ne pas pouvoir m'exprimer, puisqu'on avait décidé avec Canal une diète médiatique, donc pas tweeter, pas de... Je faisais des Insta, mais enfin bon, moi Insta, 8 stories sur Insta, c'est mes chiens, donc ça prête pas à confusion. On ne traite pas mes chiens de voleurs, en plus il y en a 2 sur 3 de castrés, donc... Voilà. Ça va. Et puis j'ai vu que 15 jours, 3 semaines avant le retour de la plateforme, que ça recommençait à revenir, quoi. Mais si, c'est quand même... Là, je vais sortir dans les jours qui viennent un livre où je parle de tout ce dont je n'ai pas parlé pendant ces 8 mois de silence, parce qu'il s'en est passé des trucs, hein. Les droits TV, l'arrivée de Neymar, la Super League, l'Euro des Bleus, voilà, petite mise à jour. Et c'est vrai que finalement, avec tout ce qui s'est passé, on en arrivait presque à oublier les soucis de santé que tu avais eu sur ce plan-là. À quoi ça sert d'en parler à part d'appuyer sur mon sort? En même temps, si je m'étais vraiment comporté comme un gros dégueulasse, on s'en fout que j'ai été greffé il y a 5 ans. Ça n'a pas de rapport. Non, mais on a envie de dire dans ces situations-là, à la santé, c'est toujours quelque chose de très délicat qui peut, sous le coup de facteurs émotionnels, faire que tout d'un coup quelque chose peut redérailler. Heureusement, de ce côté-là, tu as tenu bon. Et... Oui, soit au niveau des greffes, ça va. Au niveau des greffes, ça va. Pierre, tu as aussi, et tu es connu pour avoir un regard affûté sur l'actualité, donc on ne va pas parler que de foot et des soucis que tu as traversés. Quel est le regard que tu as sur la situation du pays aujourd'hui? J'ai envie de dire situation politique, parce que pas quelqu'un connu, donc pour avoir ta langue dans ta poche, notamment sur ce plan-là. On voit Éric Zemmour matin, midi et soir à la télé. Mais on reproduit avec Zemmour l'erreur qu'on a reproduit avec Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que tout le monde y va de sa petite sortie bien laineuse contre lui, mais à l'arrivée, on parle de lui tout le temps. Il est devenu omniprésent. Et il est encore plus devenu omniprésent depuis que le CSA a arrêté son émission sur CNews. C'est très con parce qu'il l'aurait... Il l'aurait fixé dans cette émission-là, bon, qui faisait 800 000 personnes, ce qui est super, mais bon, ça faisait 800 000 personnes là. Du coup, il fait un débat avec Mélenchon sur BFM, ça fait 3,8 millions. Je pense que l'effet recherché est totalement raté. Totalement raté. Il est régulièrement menacé. Ça, c'est le signe d'une démocratie qui est pas un peu malade, qu'on puisse être menacé pour ses idées. Oui, bien sûr, bien sûr. Quelle qu'elle soit. Mais bon, moi, je suis très proche de Valérie Pécresse, qui est une femme que j'admire, que j'estime et qui est... Bon, je peux me vanter. Assisté au lancement de son mouvement, hein, c'était en 2017, je me souviens. On demande Valérie Pécresse, hein, je crois que tu avais été très proche à ce moment-là d'elle, non? Tu m'en avais parlé dans une autre... Le truc sur le plateau là-haut, là, oui, peut-être, enfin, j'étais allé à un de ses meetings, oui. C'est ta candidate pour la présidentielle, celle que tu vas soutenir? Oui. Ouais. Oui. D'ailleurs, ça m'avait valu une belle putasserie de quotidien. Puisque donc j'arrive, je fais des photos avec tous les gens qui me demandent des photos, je pose avec Valérie Pécresse, puis bon, c'était quoi, il y a 3 ans? 3 ans, j'étais encore un peu fatigué, tu vois, donc je vais m'asseoir sur une chaise. Et là, il y a un mec qui arrive et qui me filme. Je lui dis, mais à quoi ça sert de me filmer seul sur ma chaise? Et dans Quotidien, c'est devenu Pierre Ménès mal à l'aise d'être au meeting de Valérie Pécresse. Mais pauvre con, si j'étais mal à l'aise, j'irais pas. Vous me prenez pour un débile ou quoi? Et ça, c'est... Et pourtant, on parle de Quotidien, qui est une émission qui fait beaucoup d'émissions. Mais pour moi, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment du journalisme de merde. C'est-à-dire, tu te fous de la gueule des gens en permanence, c'est politique, tu passes leur temps à te foutre de leur gueule, et après, tu t'étonnes qu'ils ne te répondent pas ou qu'ils te virent de leur meeting. J'ai beaucoup de mal avec ça, quoi. J'ai beaucoup de mal. Le 4 décembre prochain, justement, il y aura... La nomination, enfin, on va connaître enfin le candidat des LR.
enfin plutôt de ceux qui sont revenus peut-être parce qu'il y a quasiment que, enfin les favoris sont Pécresse et Bertrand qui avaient quitté le bateau et puis qui y reviennent. Toi, tu penses qu'elle a une vraie chance d'être désignée comme candidate DLR pour la prochaine présidentielle? J'espère pour elle parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, elle s'est beaucoup donnée, elle a beaucoup bougé. J'ai vu son fils très récemment qui m'a dit que bon, il n'arrivait plus à suivre hein, parce que on ne se figure pas de la santé qu'il faut pour faire de la politique. Et voilà, je ne sais pas si je souhaite qu'elle soit la candidate pour elle, pour sa fierté, pour son plaisir, peut-être pour la France aussi. Je ne sais pas si à titre perso pour elle je le souhaite. Éric Zemmour, excuse-moi d'y revenir encore un instant. J'ai pas bien compris, tu en penses quoi toi sur un plan politique, même si tu partages peut-être pas forcément moi, je suis, tes opinions, c'est moi, un type qui te moi, parle. Moi je suis de centre droit, je dirais que la personne qui représente le plus mes idées c'est Bayrou. Derrière j'ai tout de suite ajouté hélas, parce que Bayrou a quand même dit énormément de conneries, puis bon, je veux dire, à force de changer de cap avec le vent, on sait plus où il est. Mais c'est ça, mes vraies opinions, elles sont centre-droit. Qui pourrait d'ailleurs être à peu près assimilé à Macron, d'ailleurs. Hein. À Zemmour, il dit des choses... il est plus à droite que Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, à force d'être candidate depuis 40 ans, bah, elle sait plus qui draguer, elle sait plus où aller, elle est complètement paumée. Donc elle a un discours populo, socialo, qui ressemble à rien, quoi. Même si elle n'oublie pas à la fin d'ajouter qu'il y a quand même trop d'arabes. Zemmour, lui, il est plus clair dans ses positions. Il est brillantissime. C'est sa force. Et puis, il n'est pas candidat, donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il vaut vraiment en termes d'intention de vote. Que je pense que le jour où il sera officiellement candidat, il y aura peut-être un petit ressac. Mais je prends sa candidature au sérieux. Tu penses que Macron, là, a des raisons de s'inquiéter? Non. Non. Au final, tu penses que Macron va être élu? Macron va être réélu finger in the nose. Ah oui, donc les doigts dans le nez, hein, pour les gens qui ne parlent pas l'anglais. Oui, donc c'est un soutien vraiment pour la forme, Valérie Pécresse. Non, c'est un soutien parce que c'est mon ami. Et que tu es fidèle en amitié. Et que je suis fidèle en amitié, que je trouve qu'elle fait un travail remarquable en Île-de-France. Parce que gérer l'Île-de-France, c'est gérer un pays. Mais tu es capable de me dire comme ça spontanément une idée forte qu'elle propose pour la France au niveau national? On a parfois du mal un peu à lire leur elle programme. Elle est un petit peu tout azimut. Hein. Mais je sais que... Là, maintenant, elle se remet à chasser du côté... Bah, sur les terres un peu d'Éric Zemmour, parce que c'est peut-être un petit peu payant. Il faut bien voir que Zemmour plus Marine Le Pen, ça fait 32% des Français. Alors, une fois qu'on a dit que t'es scandaleux, que t'es facho, tout ce qu'on veut, à 32% des Français qui veulent voter et qui pensent certainement... en filigrane qu'il y a trop d'arabes en France. On peut le regretter encore une fois, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et le problème pour Valérie, c'est de s'écarter de Macron sans trop se rapprocher de Zemmour. C'est un travail d'équilibriste un petit peu complexe. Ton regard justement sur le foot aujourd'hui, on peut pas s'empêcher, ça concerne, c'est plus qu'un événement, on parlait que de ça à un moment donné. L'arrivée de Messi au PSG, ça t'a ému Non. Oh non, oh là là, non. Tu trouves qu'on en a trop fait, enfin... Non, parce que c'est le meilleur joueur du monde, c'est un des plus grands, un des deux, trois plus grands joueurs de l'histoire. C'est quand même un événement, faut voir qu'aujourd'hui son arrivée est pratiquement remboursée. Hein. Les ventes des maillots, les nouveaux sponsors, Dior, tout ça. Donc, il n'y a que les gens qui ne comprennent rien aux finances, qui pensent que Neymar ou Messi, c'est cher. PSG, ce qui est cher, c'est Danilo, Draxler, Kerrer, des mecs qui ne te font pas vendre un maillot et qui ne sont pas bons. Et voilà, Messi et Neymar, c'est tout sauf un problème. Après, on est encore à peu près en début de saison.
Il faut voir qu'il a repris tard avec la Copa América, qu'il a survolé en plus. Il a été blessé au genou, il a manqué deux matchs. Il est parti deux fois à 34 ans avec décalage horaire, faire des matchs à la mort en Amérique du Sud. Il joue dans un contexte totalement différent de celui du Barça. Il faut peut-être lui laisser 5 minutes, quoi. Mais en France, on ne sait pas laisser 5 minutes, surtout au PSG. Tu penses que le PSG peut gagner la Ligue des Champions avec Messi cette saison ? Franchement, de ce que je vois depuis le début de la saison du PSG, j'ai envie de te dire non. Parce que je pense surtout qu'ils n'ont pas le bon coach. Ah ouais. Ah ouais. Il m'en fout. Une sorte de plat de nouilles planté devant son banc de touche, il me rend dingue. Il faut un peu plus de caractère. Mais bon, c'est vrai qu'on taillait des Tourelles, on taillait Emery, on taillait Blanc. De toute façon, après, on taille tout le monde au PSG tout le temps. Mbappé, il reste deux matchs sans marquer, c'est un petit con qui a le melon, machin. Il met deux buts avec l'équipe de France, il est ballon d'or. Donc, là aussi, on est schizo au complet, quoi. Neymar, en tout cas, l'arrivée de Messi, ça l'a un peu éclipsé. Je ne suis pas certain que ce soit l'arrivée de Messi qui l'ait éclipsé. Je pense qu'il est... Il est cuit ? Non, je pense qu'il a je pense qu'il a fait lui aussi une grande Copa América. Il a dit vouloir arrêter la sélection brésilienne après 2022. Ouais, mais bon, il est un petit peu revenu là-dessus. Moi, Neymar, je suis faible avec lui parce que je l'adore. Il me fait rêver, il ne me fait pas rêver ces temps-ci, ça c'est clair. Mais lui aussi, il a fait la Copa América tard. Lui aussi, il est parti deux fois en Amérique du Sud faire des matchs à la con. Donc voilà, les mecs, c'est pas des robots, c'est pas des machines, quoi. Il a perdu beaucoup de poids. Moi, je trouve qu'il a un peu exagéré sur la muscule, parce que je me souviens de la photo de Neymar, Mbappé et Messi torse nu après la victoire contre Manchester City. C'est trois marmules, les mecs. C'est trois marmules. Et Neymar quand il était brillant au Barça, c'était un asticot, il était comme ça. Là aujourd'hui, c'est Goldorak. Donc il n'a peut-être plus la vitesse d'exécution de l'époque. Tu penses quoi d'une proposition d'Arsène Wenger qui voudrait une Coupe du Monde tous les deux ans au lieu de quatre aujourd'hui, sachant qu'en plus il y a l'Euro. Arsène a été mon premier invité sur ma plateforme, donc il s'est longuement expliqué là-dessus. Il a des arguments. Ce qu'il dit, si la rareté était un critère pourquoi on ne fait pas la Coupe du Monde tous les 8 ans, ce qui est assez imparable. Moi, je trouve que c'est trop de Coupe du Monde par an. Je pense que là où il a raison, c'est de vouloir faire les matchs éliminatoires en deux phases, mais que si un été sur deux, les joueurs peuvent se reposer, c'est bien aussi. Pierre, on va bientôt arriver au terme de cette émission. Et oui, déjà, un petit mot sur quelqu'un comme... Patrice Evra, je ne sais pas si tu as vu, l'ex-défenseur de Manchester, je le rappelle pour nos auditeurs qui nous regardent, a sorti un livre assez émouvant. Je ne sais pas si tu écoutes non, ça. Non, je n'ai pas le goût du supplice pour lire un livre d'Evra, même sur dans ce sujet. Dans lequel il parle des attouchements et viols dont il aurait été victime à 13 ans. On connaît votre animosité. Est-ce que malgré tout, tu le soutiens dans sa démarche ? Oui, évidemment, complètement. Est-ce que ça excuse le personnage assez infect qu'il est devenu ? Peut-être. Moi, comment t'expliques qu'il soit devenu Il m'a gravement insulté à la télé. Et encore, pour ça que j'en parle. Et encore le service juridique de Canal+ avait coupé les deux tiers de ce qu'il disait sur moi. Hein, où il me traitait de gros, enfin, c'était des trucs... où j'aurais évidemment fait un procès, que j'aurais évidemment gagné. Mais voilà, effectivement, s'il a vécu ça dans sa vie, moi, je peux que compatir et le soutenir. Il ne faut pas être con non plus, quoi. Faut pas... Nous, on a une animosité de foot, quoi. On a reçu il y a quelque temps Carl Zéro dans cette émission qui parlait du délicat sujet de la pédocriminalité en France et dans le monde, d'ailleurs. C'est vrai que le sport a été longtemps épargné par tous ces sujets. Est-ce que tu penses qu'on va un jour peut-être découvrir un énorme scandale là-dessus ? Est-ce que tu as entendu parler de choses à ce sujet ? Non, tu sais, il y a Wissem Belkacem qui a fait un livre sur son homosexualité.
j'essaye d'ailleurs de l'avoir sur ma plateforme. Moi, j'avoue. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais j'avoue. Non, mais c'est ne pas pouvoir dire que t'es gay parce que tu joues au foot, c'est quand même un vrai problème. Moi, je suis passé complètement à côté de l'homosexualité dans le football. Complètement. J'ai eu deux joueurs sur lesquels j'ai eu des rumeurs. Un qui a assumé totalement son homosexualité, c'est Olivier Rouillet. Sinon, j'ai jamais été confronté à ça, quoi. J'ai jamais été confronté à la pédocriminalité non plus. Même si j'ai une amie là qui des années après a déballé son sac et qui est internée d'ailleurs. Que tu veux que je te dise, moi je suis toujours assez agacé par les gens qui ont un avis sur tout à la télé. Donc à part être scandalisé, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Si un jour, évidemment, un footballeur vient me voir et me dit j'ai été violé, machin, évidemment que je l'aiderai du mieux que je peux, mais voilà quoi. Le dopage dans le foot, on en parle ? Non. Enfin, non. C'est pas un sujet ? Pour moi, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet parce que le foot ne s'y prête pas. C'est quand même étonnant. Le foot ne s'y prête pas. Ce serait le seul sport où il y aurait. Non, mais qu'il y ait des mecs qui chargent dans leur coin individuellement, bien sûr. Le dopage organisé, j'y crois pas parce que le football, ça commence en août, ça finit en juin, voire en juillet quand il y a une grande compète. Tu te charges quand ? Tu te charges pour être en forme quand ? Parce que tu ne peux pas te charger pendant 10 mois. En général, quand tu te charges, c'est pendant ta période de préparation. Mais bon, tu te charges pendant ta période de préparation en été, tu vas être en pleine bourre septembre-octobre. Et après ? Et après ? Qu'est-ce que ça va t'apporter sur la durée ? Ce sont pas des sports qui ont des durées de compétition connues où tu peux te préparer spécifiquement pour. Au foot, tu peux pas te préparer spécifiquement pour le. Et te doper pour être en forme toute l'année. J'ai encore le souvenir de la Coupe du Monde 2006, où les joueurs comme Ronaldinho, Henry, ils étaient carbo à la 75e minute et ils sortaient. Donc s'ils sortent, c'est qu'ils ne sont pas chargés. S'ils étaient chargés, ils auraient joué 120 minutes en sifflotant. C'est d'ailleurs un des intérêts que je trouve à la Coupe du Monde au Qatar, qui va avoir lieu en hiver, donc à mi-saison, et où les joueurs vont certainement être en bien meilleure forme que lors des phases finales habituelles. Le décès de Bernard Tapie, ça t'a ému ? C'était un peu comme mon papa. On s'y attendait tellement que mon père est mort d'un cancer du foie à 53 ans. J'ai été greffé du foie à 53 ans. Mon père est mort le 21 mars 90. D'ailleurs, 21 mars, c'est la date de la diffusion du documentaire de Marie. Je l'aimais beaucoup. Il me le rendait bien. Je garde précieusement nos échanges par SMS. Le dernier datait de février. Il s'est battu comme un dingue. Je pense que si c'était pas Bernard Tapie, il serait mort depuis 2 ans. Voilà. J'ai été choqué par la une de Libé, choqué par ceux qui, dès le jour de sa mort, ont parlé de zone d'ombre. À un moment donné, tu respectes un peu, quoi. Le temps va faire son office, tu vois. Le jour du décès, il faut laisser place au chagrin et à la compassion. Moi, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Tout en étant lucide, hein, mais je l'aimais beaucoup. On va arriver, donc, je le disais bientôt, au terme de cet entretien. On a au moins un petit point commun, et ça, d'ailleurs, ça nous réunit. On est tous les deux passés quand même d'une certaine manière, mais... Toi, d'un média et d'une audience beaucoup plus importante de médias mainstream à Internet, quand même. Tout à l'heure, évidemment, on a beaucoup critiqué. Enfin, tu as dit que tu avais été victime sur les réseaux sociaux de beaucoup de haine. Et puis, paradoxalement, il y a quand même du bon aussi à Internet parce que tu me disais... C'est mon paradoxe. C'est-à-dire que voilà. Twitter me lynche, mais Twitter me fait vivre. Parce que c'est tous mes posts sur ma plateforme sont annoncés sur Twitter, même si Twitter bride les commentaires parce qu'ils n'aiment pas le lien que,
que j'envoie. On va essayer d'ailleurs de modifier ça. Mais mais la vie est faite de paradoxes et de contradictions. Tu penses que c'est un nouveau départ professionnel pour toi et que ça peut t'ouvrir des portes que tu soupçonnes peut-être pas sur un plan professionnel? C'est peut-être l'audience de demain, elle sera peut-être en majorité sur Internet. Je crois que c'est Patrick Lui un jour qui disait TF1 est une chaîne de télé qui a un site Internet. Demain, TF1 sera un site Internet qui a une chaîne de télé. Donc est-ce qu'on peut imaginer un jour que voilà, il y ait de grandes réunions qui se passent sur Internet avec des millions internautes qui regardent et... Je souhaite, c'est ce que je souhaite. C'est ce que... Donc toi, c'est plus par dépit ou c'est vraiment quand même une volonté Ah non, comme je te l'ai dit, c'est un truc que j'avais en moi depuis... même quand j'étais à Canal, donc j'avais envie d'avoir un truc où je puisse m'exprimer tout le temps. Alors évidemment, ça aurait été, avec Canal, ça aurait été plus facile, j'aurais fait des interviews qui auraient été relayées dans le CFC, ça aurait fait une boule de neige plus importante, mais les débuts de ma plateforme m'incitent à l'optimisme. Eh bien écoute, ce sera le mot de la fin, en tout cas Pierre... Optimisme, c'est pas mal comme mot de la fin. Dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, je suis assez content de finir comme ça, optimisme. Bon, en tout cas, on te remercie beaucoup, Pierre, d'avoir accepté cette invitation et puis d'avoir toujours répondu présent parce que moi, je ne te connais pas beaucoup, mais tu as toujours été et tu es toujours quelqu'un de très fidèle et loyal. Même quand je suis en retard. Même quand tu es en retard, exactement. En tout cas, sache que tu seras toujours le bienvenu sur cette chaîne des Incorrectibles. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé. Et si vous le souhaitez et que vous pouvez, bien sûr, à nous aider financièrement depuis le lien Tipeee qui doit s'inscrire sous la vidéo de cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Très bonne semaine à tous et bien sûr, restez incorrectibles. Bye bye.